De son vrai nom Mebenga Mebenon, Martin Paul Samba est né vers 1875 à Metutu Engon, dans la région du Sud Cameroun. Quelques années après sa naissance, ses parents décèdent. Il est alors recueilli par son oncle paternel, Oban Ebono. Celui-ci le confiera plus tard à son ami Bano Isamba, un commerçant Batanga vivant à Kribi. Vers 1891, le jeune Mebenga est envoyé étudier en Allemagne pour y suivre une formation militaire à l'Académie militaire impériale de Berlin. En Allemagne, il adopte le nom de Samba. Plus tard, il sera baptisé et lui sera donné le prénom chrétien de Martin Paul. Vers 1894, au terme de sa formation, il accède au grade de capitaine et retourne au Cameroun travailler pour l'administration allemande. À son retour, Martin Paul Samba est placé sous les ordres de Hans Dominik, l'un des officiers supérieurs des forces allemandes. Il aura pour mission principale de parcourir le pays pour sa pacification et soumettre à l'ordre colonial certaines populations opposées à cette occupation étrangère. Il s'agit notamment du chef Bakoko, Ongba Bisogo, le Lamido de Tibati et du chef Vouté de Ngila. Dans son exploration du pays, il créera la ville d'Onkong Samba en partant de l'ouest. Au cours d'un affrontement avec les populations locales, Martin Paul Samba est blessé. Cet incident l'amène à quitter l'armée vers 1899. Il se convertira dans les affaires et servira d'intermédiaire entre les commerçants allemands et les populations de l'Interland. Samba installera des antennes dans les villes de Bertois, Nanga et Boko, Olama et Bolova et Kribi. Devant les mauvais traitements et violences des Allemands sur les populations locales, Martin Paul Samba, excédé, s'engage dans une opposition à l'occupation coloniale. Il s'installe dans la région des Bolova et l'organise en introduisant un service militaire pour combattre les envahisseurs allemands. Plus tard, il entre en contact avec Rudolf Douala Mangabel. Ensemble, ils sollicitent l'aide des ennemis de l'Allemagne, notamment la France au Congo-Brazzaville et la Grande-Bretagne au Nigeria, les informant de leurs intentions d'attaquer les Allemands. Malheureusement, leurs plans seront portés à la connaissance des autorités coloniales. Le 1er août 1914, lors d'une fouille, les correspondances destinées aux Français et commandes d'achat d'armes sont découvertes et il est arrêté. Le 8 août 1914, il est jugé, accusé de haute trahison et condamné à mort par fusillade. Avant son exécution, Martin Paul Samba dit aux Allemands: « Je n'ai pas peur de la mort. Vous pouvez me tuer, mais vous n'aurez jamais le Cameroun. » La légende raconte qu'il avait un mouchoir spécial qui le protégeait de tout danger. Son exécution ne fut possible que lorsqu'il lâcha ce mouchoir. Il est fusillé ce 8 août 1914 près des Bolova. Rudolf Douala Mangabel est pendu la même journée du côté de Douala. Un monument est dédié en la mémoire de Martin Paul Samba à Ebolova.